Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le savez, nous parlons d'agritourisme, nous parlons d'agriculture. Mais aujourd'hui, l'accent sera mis sur la noix de cajou. Vous savez que c'est une fierté mondiale, car grâce au travail de nos braves paysans et braves paysannes de la Côte d'Ivoire, notre pays est le premier pays producteur mondial de la noix de cajou. Nous avons une très grande production, mais nous voulons sensibiliser sur la qualité de nos noix. Vu qu'à l'international, nos noix sont prisées, nous voulons que nos braves paysans puissent avoir davantage de revenus en suivant les conseils des experts. Ne décrochez pas, suivez cette émission. La campagne Anacard 2023 est officielle. Ce jeudi 3 février, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, entouré de ses collaborateurs, a livré le prix lors d'une conférence de presse à la Questab, Abidjan Plateau. Le gouvernement a approuvé pour la campagne 2023 un prix bord-champ plancher obligatoire de 315 francs CFA par kilogramme pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Ce prix connaît donc une hausse de 10 francs CFA par kilogramme par rapport à celui de 2022 qui était de 305 francs par kilogramme. Un prix plancher obligatoire magasin intérieur de 340 francs par kilogramme, un prix plancher obligatoire magasin usine de 369 francs CFA par kilogramme et un prix plancher obligatoire magasin portuaire de 399 francs CFA par kilogramme. En marge de cette conférence de presse, l'on a assisté à la remise officielle d'une convention entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Convention qui porte sur le financement et la mise en œuvre du projet d'augmentation du potentiel productif du coton en Côte d'Ivoire à hauteur de 3,04 millions de dollars US sur une période de 3 ans. Pour un meilleur prix, je m'engage à bien sécher et bien trier mes noix de cajou. Tel est le slogan de cette campagne 2023 d'Anacard. Faut-il le rappeler ? Soucieux de la production de noix brutes de qualité, le Conseil du coton et de l'Anacard, au cours de l'année 2022, précisément en août, à travers son service de la production, accompagné de l'ANADER et d'experts en défense de la culture de l'Anacard, a sillonné des zones de production afin de sensibiliser à la production de noix de qualité. Bondoukou, Dimbokro, Mankono furent les zones où notre équipe de reportage les a accompagnés. J'aimerais remercier le directeur général, Dr Adama Koulibaly, et la directrice de la production, Dr Mariam Ouattara, d'avoir eu cette initiative. Parce que c'était important de venir rencontrer les producteurs dans les plantations et leur parler de l'impact que peuvent avoir les maladies et les ravageurs sur la qualité des noix de cajou. À l'aide de fiches, d'illustrations et des actions pratiques, nos experts ont démontré l'importance de suivre les bonnes pratiques culturales. Cette mission a pour objectif, faire une présentation sur les différentes maladies qui impactent la qualité de la noix à la récolte, la qualité de la noix avec les insectes ravageurs, et ensuite donner les stratégies de lutte agronomique surtout, parce que nous voulons vraiment sensibiliser plus sur la technique agronomique parce qu'elle nous permet d'avoir une noix biologique qui est plus intéressante pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui en tant que premier pays producteur mondial. Nous avons demandé aux producteurs de procéder au nettoyage à la machette des plantations touffues, des plantations enherbées, et cela 3 fois par an. Voilà. Et aussi aux besoins. Ensuite, une fois que c'est nettoyé, il faut ramasser à l'aurore de la saison sèche,
il faut ramasser tout ce qui est débris végétaux et le mettre hors de la plantation pour éviter les feux de brousse et aussi permettre le ramassage des fruits qui tombent. Alors, ensuite, on leur a demandé de nettoyer autour de la plantation. Et donc, quand on fait ce nettoyage, donc la plantation est aérée. Et aussi, le soleil donc, pénètre bien dans la plantation et cela donc évite l'humidité qui est cause de beaucoup de maladies, les maladies que nous observons. Et les herbes n'étant pas là, les insectes s'éloignent de la plantation. Les représentants des producteurs et des producteurs eux-mêmes ont compris la nécessité de faire de la qualité. Mon champ même, on a dit que c'est une forêt. C'est vrai, parce que tout ce que je viens de dire ne respecte pas les normes. Mon champ, de toute façon, ça y est, il y a plein de maladies dedans, d'insectes. Donc, en rendant les champs propres, toutes ces maladies, ces insectes, vraiment, vont quitter, ils n'iront pas dans ces champs-là. Au niveau de la qualité, si c'est bien propre, les champs bien propres, pas d'insectes, pas de maladies, on aura de bons fruits. C'est sûr, trié. Et quand c'est bien trié, vraiment, ça te fera une bonne récolte, c'est-à-dire, tu auras un bon prix. Bon, j'ai un champ, j'ai 3 hectares. De la manière que j'ai fait, j'ai chaque but, j'ai mis deux pieds d'anaka dessus. Mais l'anadin sont venus dire de couper dessus. On est venu. Maintenant, je vais aller commencer à couper un peu. Ils sont venus, l'anadin sont venus pour couper des nakas. Quand nakas suivent, traiter nakas bien. Si nakas est chéré, ça ne produit pas. Ça ne produit pas. Donc, on doit balayer un nakal 2 fois, 3 fois par an. Je remercie, comme je le disais tantôt, le conseil Coton Nakat pour leur initiative, pour venir vers les producteurs, pour les former et les sensibiliser pour avoir la qualité. On est producteur, premier producteur, mais il y a d'autres pays qui produisent, tels que le Vietnam, tels que le Ghana, tels que la Tanzanie. Et c'est des pays qui font la qualité. Donc, le prix rémunérateur du prix de l'anacarde est plus élevé que celui de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ces gens de formation vont nous donner les moyens d'aller vers les producteurs pour les sensibiliser, pour faire de telle sorte qu'on ait la qualité. Bon, maintenant, c'est comme cette année, l'interprofessionnel est né, nous aussi, à notre niveau, nous allons essayer de sensibiliser nos parents pour que les gens comprennent l'intérêt de la chose. D'abord, ils ont dit dans l'année, on nettoie 3 fois dans l'année et qu'on nettoie, on coupe dedans et elle rentre bien dedans, soleil frappe dedans et comme ça, ça produit bien, les bêtes s'en vont, il n'y a pas de maladie. Maintenant, je vais faire ça. Quand vous avez de la bonne qualité, tout le monde converge vers vous pour pouvoir acheter ces noix de cajou. Et lorsqu'on a aussi la qualité, le nom de la région se porte très bien. Pour cette campagne 2023, le Conseil du coton et de l'anacarde, tout comme à chaque début de campagne, accentue la sensibilisation auprès de tous les acteurs de la filière afin de pratiquer une bonne campagne. Menée par la directrice de production, Dr Mariam Ouattara, des équipes du Conseil du coton et de l'anacarde ont pris d'assaut les zones de production. À Bounzali, les producteurs sont venus nombreux pour écouter les dernières consignes. Assistée par le corps préfectoral, la directrice de la production a adressé à l'Assemblée les mots de salutation du directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Koulibaly. Par la suite, nos experts ont entretenu des producteurs très attentifs. Quelques questions et réponses ont permis à tous de mieux saisir l'information donnée. Madame le préfet du département de Tingrela, qui présidait cette séance, a souhaité que tous les acteurs appliquent les consignes. Nous remarquons que chaque année, les mêmes remarques reviennent, les mêmes observations reviennent sur les comportements de nos producteurs. Nous leur demandons cette année, pour cette nouvelle campagne, de s'approprier enfin ces nouvelles consignes qui sont données pour la réussite de la campagne 2023. Conscient que le prix est lié à la qualité, les différents acteurs, producteurs, acheteurs ont décidé de faire tout pour avoir des noix de très bonne qualité.
Le problème de la qualité, avant les producteurs ne connaissaient pas comment il faut faire la qualité, mais grâce à les formations, on fait la qualité. Je sais comment il faut calculer une hectare. Je connais vraiment tous les paysans ont formé tout parce que je suis dirigeant d'une coopérative. Quand je viens comme ça, je forme tous les producteurs de la coopérative comment il faut faire calculer hectare, comment il faut récolter, comment il faut sécher pour avoir une bonne qualité. Je forme tous mes producteurs pour ça. Pour avoir la meilleure qualité au niveau de l'ANACAD, je pense qu'on a appris beaucoup de pratiques, on s'est inventé beaucoup en images et puis bon, dans les détails au fait. Donc je pense qu'une fois que ça s'est appliqué à la chaîne, je pense qu'on aura un meilleur résultat. En ce qui concerne la fuite des noix vers les pays limitrophes, des acteurs eux-mêmes, après la sensibilisation, s'engagent à combattre ce fléau. La fuite de ces produits nous ont vraiment fait perdre dans le département de Tengrela. Nous cherchons des aides pour pouvoir nous appuyer pour ne pas que nos produits rentrent au Mali. Comment nous pouvons se battre pour que la fuite puisse s'arrêter? C'est pour cette raison que j'ai posé la question devant toute la population pour que les gens puissent m'aider pour que vraiment ça puisse se passer dans les bons termes. L'expert en défense de culture, professeur Soro Sibirina, a tenu à rassurer les producteurs d'Anacard qui sont aussi producteurs de coton sur le phénomène des jacides. Pour le moment, les études continuent, mais on ne peut pas affirmer puisqu'on a suivi jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment d'attaque des jacides sur l'anacardier. Mais ils sont présents sur l'anacardier. Donc c'est ce qui nous amène donc à garder l'alerte ou le suivi sanitaire sur cet insecte. Après Boundiali, nous nous sommes rendus à Odiné. Après les expositions, des films de sensibilisation ont été projetés pour permettre aux producteurs de mieux comprendre la situation à laquelle ils sont exposés quand les consignes ne sont pas respectées. Soro Klotiorma, coordonnateur national des filières mangue et foresterie à l'ANADER, revient sur son exposé. Nous demandons aux producteurs, pour ce qui concerne la qualité, de laisser le fruit tomber de lui-même, le ramasser tous les deux jours, laisser faire la séparation de la noix de la pomme à l'aide de la ficelle, sécher les noix sur une claie. Il faut éviter de sécher les noix sur le goudron ou à même le sol. Le producteur doit construire une claie adaptée pour sécher les noix de cajou. Sécher trois jours maximum. Et ensuite, utiliser les sacs distribués par le Conseil du coton et de l'ANACAD pour conditionner les noix. Il ne faut pas utiliser les sacs en nylon. Les sacs en nylon ne sont pas faits pour l'ANACAD. Les sacs en nylon sont faits pour le riz, le maïs. Chaque produit agricole a son sac. Le sac de l'ANACAD, c'est le sac en jute distribué par le Conseil du coton et de l'ANACAD. Ensuite, après avoir mis les noix dans les sacs, il faut donc les stocker dans un magasin bien aéré et étanche. Mais je précise une chose, qu'il faut trier. Il faut trier pour enlever tous les défauts. Ce n'est pas seulement le corps étranger. Le corps étranger, c'est les petites branches qui se retrouvent dans la production. Mais il faut trier pour enlever les noix qui ne sont pas bonnes, les noix qui présentent un défaut. Ces défauts sont apparents parce que c'est les noix défectueuses qui déprécient la qualité. C'est les noix défectueuses qui font que le KOE est faible. Pour que le KOE soit élevé, nous demandons aux producteurs, après le séchage, d'extraire toutes les noix qui présentent un défaut. C'est à ce seul prix qu'on pourra avoir un produit de bonne qualité et un KOE au-delà de 50. Quant à monsieur le préfet du département de Kaniasso, représentant le préfet de la région de Kabadougou, préfet du département d'Odiené, le message aux producteurs est simple. Le Dengélé, parmi les régions productrices de la noix brute de cajou, fait partie des dernières régions en matière de qualité. Donc, le message que nous avons à lancer aux producteurs, c'est de pratiquer la qualité. Et pour faire la qualité, il faut que les producteurs puissent prendre en compte toutes les recommandations qui ont été faites au cours de cette mission de sensibilisation. La directrice de la production au Conseil coton Anacard, Dr Mariam Ouattara,
au terme de cette campagne de sensibilisation, a salué la participation massive des producteurs et les a exhortés, au nom du directeur général Dr Adama Koulibaly, à faire la qualité pour une bonne image de la Côte d'Ivoire. Cette année, le slogan, c'est « Pour un meilleur prix, je m'engage à bien sécher et bien trier mes noix de cajou ». Nous avons eu une grande mobilisation des acteurs et aussi les messages techniques ont été bien passés. Et nous invitons l'ensemble des acteurs à s'approprier le contenu de ces messages techniques pour une meilleure qualité de l'anacarde. Le Conseil du coton et de l'anacarde, depuis sa création, vise à proposer sur le marché international de l'anacarde un label de référence Made in Côte d'Ivoire. Alors, nous encourageons tous les acteurs à la bonne pratique de la qualité. Nous souhaitons une bonne campagne à tous. L'Organisation interprofessionnelle agricole OIARI et les fédérations de producteurs, transformateurs et distributeurs de la filière ont procédé lundi 23 janvier 2023 à Yamoussoukro au toilettage de leurs textes respectifs à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire. La rencontre visant notamment à répondre aux insuffisances des statuts et règlements intérieurs de ces structures en statuant sur des propositions d'amendements présentées par un expert. Il s'agissait surtout d'harmoniser ces textes avec les différents actes uniformes en la matière, l'ordonnance et les différents décrets produits par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis ici à Yamoussoukro dans le but de réviser les textes fondateurs de cette organisation, d'harmoniser ces textes avec les différents actes uniformes qui existent, l'ordonnance et les différents décrets de l'État de Côte d'Ivoire. Je représente le gouvernement au sein de la filière, donc je suis l'œil du gouvernement pour toutes les actions que sont menées par le conseil d'administration et par toutes ces entités que j'ai citées. Voilà. Le président de l'OIARI, Maury Diabaté, a salué la présence de tous les acteurs de la filière et exhorte tous à se mettre au travail afin d'atteindre rapidement la souveraineté alimentaire prônée par le président de la République. Il y a eu quand même une ordonnance du président de la République pour pouvoir créer l'OIARI. Et nous remercions encore le président de la République pour cela. Maintenant, il nous appartient, nous les acteurs, de voir le contenu des tests, modifier le contenu des tests. Peut-être que c'est une première, il y aura d'autres, peut-être d'autres changements. Le temps permet de modifier des choses. C'est comme la constitution d'un pays. Quand vous écoutez bien le discours du président de la République le 7 août, il décline ça. Il a dit « je veux la souveraineté alimentaire pour mon pays ». Et ça, pour obtenir ça, il faut que nous soyons soudés. Par ailleurs, il faut un appui de l'État parce que nous avons un problème, c'est le financement, que ce financement soit assuré. Déjà, des pas ont été faits, il y a des structures telles que la BAD, etc., des institutions de développement qui font des apports. Mais il faut que nous puissions harmoniser cela pour que ces apports-là puissent nous permettre en peu de temps, en 3 ans, on le dit, c'est possible. Pour être bien organisé, pour pouvoir sortir de cette situation qui est délicate parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est près d'un milliard, 1,5 milliard d'importations par jour. C'est énorme. L'OIA s'attelle actuellement à mettre des bases solides afin de fournir du riz de qualité aux Ivoiriens. Oui, il y a des actions qui sont en cours. Au niveau de la production, comme je vous le disais, il y a des fonds qui seront mis à la disposition des producteurs. Au niveau des intrants, il y a la mécanisation qui est en cours avec la DERI. Et nous-mêmes, nous sommes en train de nous organiser parce que tout passe par le financement. L'OIA, vous verrez, très prochainement, nous allons aller vers des bailleurs de fonds aussi pour que les gens portent des fonds, pour que nous puissions faire avancer nos structures. L'Ivoirien est très exigeant. L'Ivoirien ne veut pas manger n'importe quoi. Il faut lui donner du riz. Il attend son riz. Et ça, c'est aussi un défi majeur que nous avons. Selon le directeur de la production rizicole, la production nationale tourne autour de 50% de la consommation nationale, d'où des efforts supplémentaires à faire pour couvrir les besoins de consommation du riz ivoire. Nous pouvons dire que beaucoup d'efforts restent à faire puisque la production nationale tourne autour de 50% de la consommation nationale. Donc, beaucoup d'efforts restent à faire pour vraiment atteindre une production de 2 400 000 tonnes. Nous avons fait un effort,
Voilà, mais beaucoup de choses restent à faire pour vraiment atteindre la santé totale de la filière. Pour la transformation et la mise en marché du riz de qualité, Dr Amadou Touré nous rassure. Des grandes actions ont été déjà mises en place par le gouvernement avec l'acquisition de 30 unités à grande capacité, ultra-moderne, de 5 tonnes heure pour produire du riz local vraiment de qualité. Toutes ces actions sont supervisées et soutenues par la tutelle, à savoir le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Ceux qui m'ont précédé tout à l'heure, de par leur qualité, on peut avoir la détermination de M. le ministre d'État qui a reçu des instructions du Premier ministre et du Président de la République pour que ce secteur riz non seulement doit être bien structuré, mais doit être à même de répondre aux défis actuels de la souveraineté alimentaire. C'est pour ça que dans sa structuration, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, a une direction générale pour la promotion de la riziculture. En plus de l'agence de la riziculture ADERI qui existait déjà, aujourd'hui la direction des organisations professionnelles agricoles est à la disposition de toutes les filières et donc à la disposition des acteurs de la filière pour les accompagner dans leur structuration, pour les accompagner dans leur gouvernance pour que cette filière-là puisse être à même de répondre aux défis dont j'ai parlé si haut. Après deux jours d'intenses travaux, les acteurs des différentes fédérations se disent satisfaits. L'adoption des tests contribue à une meilleure structuration de la filière, mais aussi c'est de base solide à l'équipe dirigeante pour mener à bien sa politique structurelle, organisationnelle, de manière méthodique et sûrement aussi mettre en place un pôle économique et social basé sur la jeunesse et aussi sur l'autosuffisance en riz. La filière riz, depuis un certain moment, est en train de partir sur un nouveau ressort, sur un nouveau pied. Et ce pied-là, c'est le pied vraiment du développement de la filière riz. Et tous les travaux que nous avons faits durant ces deux jours concourt à pouvoir atteindre cet objectif-là. Les nouveaux textes révisés que nous venons de mettre en place, l'espoir est grand désormais pour nous de mieux travailler, d'être plus efficace pour échanger avec les partenaires au développement et également pouvoir bénéficier des appuis de l'État quant au développement de notre organisation interprofessionnelle. Nous sommes allés de pas à pas. Et aujourd'hui, c'était l'adoption de nos différents textes, statuts et règlements intérieurs au niveau de l'OIA. Donc l'adoption s'est très bien passée. Les institutions de l'État qui étaient présentes vraiment nous ont encouragés et encore nous ont donné plusieurs perspectives à entreprendre, à emprunter pour être fiers de notre filière. Notre union se présente avec 37 coopératives. Et nous sommes membres de l'interprofession et aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer au toilettage des textes qui nous régit, qui fait notre activité. Et je dirais que notre objectif aujourd'hui, ce sont d'implémenter ces textes-là au sein de nos unions pour qu'on soit encore plus outillés pour mener nos activités à bien. Une organisation s'est basée sur le statut et le règlement intérieur que nous avons élaboré, nous avons tous vraiment adopté. Le président l'a dit, vraiment, c'est le travail maintenant qui sera mis en marche. Et vraiment, tous les acteurs seront en action pour voir assurément la sécurité alimentaire. Le président Mori Diabaté se dit heureux de la bonne tenue de cette Assemblée générale extraordinaire et remercie tous pour leur apport. Place maintenant au travail. Nous profiterons de l'occasion pour remercier M. le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, pour l'action qu'il mène pour le développement du riz en Côte d'Ivoire. Et également le Premier ministre et le Président de la République qui sont prêts à apporter beaucoup à notre secteur d'activité, à la fois en financement, il y a des financements qui sont déjà acquis, il y a d'autres financements qui viendront pour que le riz en Côte d'Ivoire, on ne puisse plus parler de riz local, on parle de riz de Côte d'Ivoire, qu'on baisse l'importation qui est aujourd'hui à près d'un milliard et demi par jour. C'est immense pour créer des emplois et puis être souverain en matière alimentaire. C'est dans une bonne ambiance
qu'a pris fin cette Assemblée Générale Ordinaire de l'OIARI. C'est fini pour aujourd'hui. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu bénisse notre sublime Côte d'Ivoire. Vive les ressources animales et halieutiques. Vive l'agritourisme pour une Côte d'Ivoire émergente. Que Dieu nous garde. Bye bye.